Coucou tout le monde, nouvelle vidéo, déballage de colis. Donc c'est un colis que j'attends avec beaucoup d'impatience, que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Donc ça y est, il est arrivé aujourd'hui, je suis trop contente. Donc on va déballer ça ensemble et je vous laisse avec la suite de la vidéo. En vidéo avec vous, c'est bah, justement parce que ça concerne les bébés. Sinon bah, ça ne serait pas fait en vidéo, ça ne serait pas fait en tout cas sur la chaîne YouTube Reborn. Donc vous vous doutez bien que c'est pour les bébés. Mais à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? C'est vraiment ce que je voulais. Et plus ou moins dans la couleur que je voulais aussi. Donc c'est très bien. Si jamais un jour je veux changer la couleur, c'est possible. Hein. Juste à racheter une housse. Puis voilà. Bon, ça m'a l'air d'être un peu compliqué à déballer. Ah, ça. Bon. J'espère que l'état est correct. Voilà. Donc, je vais vous baisser ça. Alors, on va découvrir petit à petit ce que c'est. Je vais essayer de ne pas trop arracher les bulles. Comme ça, je pourrais m'en servir pour envoyer un colis. Un petit coup de ciseau juste là, le scotch. Il est vraiment très bien emballé, ça c'est chouette, c'est très chouette. Franchement, l'emballage est vraiment waouh. La personne a fait ça très soigneusement. En même temps, au vu du prix du transat, j'ai envie de vous dire heureusement. Heureusement. Alors, encore un petit coup de ciseau à donner juste là. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai du coup acheté un transat cervical. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai envie de m'en acheter un. Mais pour ceux qui connaissent cette marque, vous savez à quel point c'est cher. Très cher. Là, je suis obligée de couper dans les bulles. Là, je crois. Voilà. Donc pour ceux, comme je disais, pour ceux qui connaissent la marque Charlie Crane, vous devez normalement savoir que c'est un transat qui coûte très cher. Et du coup, j'ai plus ou moins fouillé Vinted un bon nombre de fois, même Marketplace hein, pour trouver proximité et pour même éviter de faire envoyer le transat parce que c'est un truc assez délicat à faire. Mais donc, j'ai pris le risque, j'en ai trouvé un. Donc, il est impeccable. Il a juste, alors il faudrait que je revoie l'annonce. Le seul défaut qu'il a, c'est le pied qui est desserré. Donc, en fait, il n'y a rien du tout, puisque c'est une personne qui n'est pas bricoleuse. Et j'ai demandé à mon chéri si... Vous pouvez faire quelque chose. Et bien évidemment, mon chéri peut faire quelque chose au niveau du pied.
parce qu'il y a juste à revisser le pied en fin de compte. Donc c'était peut-être une maman solo ou alors un monsieur qui ne savait pas bricoler, tout simplement, ça arrive aussi. Donc bah, y a juste un pied qui bouge. Donc il n'y a pas grand chose à faire. En gros. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Il y a juste un pied. Voilà. Tout simplement. Donc pour le prix, je vais payer. Je ne vais pas vous dire combien j'ai payé, mais j'ai payé moins de 100 euros. Alors, pour un transat, il y a juste à resserrer un psy, j'ai envie de dire. Ça va. Alors, ça y est, je suis de retour dans ma nurserie, donc avec le transat. J'ai du coup mis Gabriella dedans, donc un bébé, voilà. Un bébé assez, je ne vais pas dire assez petit, mais voilà, c'est un de mes petits bébés. Franchement, je la trouve trop trop belle dedans. En plus, elle est en pyjama rose, donc ça ne fait que ressortir. Et honnêtement, j'adore. C'est un transat que je veux depuis très très longtemps. Donc, il y aura juste les pieds à revisser, comme je disais. La personne l'a mis à plus bas prix par rapport à ça. Mais, pardon, je trouvais ça un petit peu dommage d'avoir baissé le prix pour des vis à resserrer. Puisque ce n'est pas cassé. Enfin, normalement, pour le moment, on n'a pas validé le colis. On attend parce que mon chéri n'a pas le bon truc pour resserrer. Donc, je veux vraiment m'assurer que ce ne soit pas cassé parce que c'est un transat, on va pas se mentir, qui coûte cher. Du coup, je veux vraiment m'assurer que ce soit en bon état, que ce soit pas cassé. Et que j'ai reçu un article conforme à la description. Donc, je veux juste m'assurer, voilà, que le transat soit bien potable, on va dire, utilisable, tout au moins, au niveau des pieds. Donc là, il tient. Mais, en fait, le seul souci, c'est que ça bouge. Donc, c'était mentionné, hein. C'était vraiment mentionné dans la description. Donc, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voyez, ça bouge. C'était mentionné comme quoi il fallait bien lire la description, qu'il y avait les pieds à revisser, donc pas cassés, à revisser, donc c'était bien dit à revisser, que c'était bah, une personne, donc la personne s'est décrite comme une personne non bricoleuse, donc qui ne savait probablement pas resserrer les pieds du transat, qui ne savait pas le faire. Du coup, pour le moment, j'attends que mon chéri ait le matériel pour juste revisser, puisqu'il n'a pas l'embout adéquat. On a regardé, il n'a pas l'embout adéquat. Donc, j'attends demain, voir s'il peut revisser. Et dans ce cas-là, quand ça sera revissé, je validerai du coup la vente sur Vinted. Voilà. Et ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, ce qui vous permettra d'être notifié lorsqu'il y aura une nouvelle sortie de vidéo, ce qui est très important quand même, on va pas se le cacher. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Alors le transat, il est gris, vert, je sais pas trop. En photo, en vidéo, ça ne rend pas pareil qu'en vrai. Donc honnêtement, votre avis sera pas forcément le mien. Donc les couleurs varient déjà en fonction de la personne, puisque des fois on n'est pas d'accord sur la couleur de l'objet. Mais aussi, dites-vous que vous n'êtes pas en vrai, vous êtes en vidéo, en photo, donc ça ne rend pas du tout pareil. Voilà. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! N'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram pour découvrir des photos qui seront faites du coup dans le transat Charlie Crane. Et puis voilà.